Aujourd'hui, le problème est catastrophique, le problème est entier. Nous sommes à deux jours de pluie, il y a déjà deux nuits où il a plu et nous comptons déjà 7 morts au niveau du monde hôpital. En tant qu'intellectuel de ce pays, nous pas capable de passer chaque jour devant. En réalité, ça, nous est danger sans nous pas interpeller tout pays et spécialement informer monde l'hôpital de danger que eux-mêmes à vivre là-dedans, il y a encouru danger qui a vivre chaque jour, malépendier qui posait sous tête. Yo. Parler de monde l'hôpital, nous dit bassin versant mon hôpital là. C'est un bassin versant qui drainé du Port-au-Prince. Nous regardons là, il y a canal orphelin. Mais exactement bassin versant mon hôpital là. C'est toute partie ça, une partie depuis Jalousie, c'est dans le cadre là. De Pétionville, il descend dans toute zone ça, il passe devant Carrefour-Feuille, il passe Matissan, il passe Leclerc. Il passait de zone marine des gants pour la tomber justement dans le carrefour, dans la zone d'Ikini. Et c'est toute réalité ça. Donc nous avons toutes zones annettes dans le département de l'Ouest, toute partie ça, justement, mon hôpital couvrir. Donc mon hôpital tout, c'est un embranchement de où monte la selle, ma selle là, qui même qui monte toute zone de caisse coffre. Donc, c'est n'a pas de dire, c'est ça, nous entendons par mon hôpital. Donc, mon hôpital, il voit de l'eau, il voit Fatra et sous Port-au-Prince, il voit sous Carrefour-Feuille, Matissan, il voit tout, mais Carrefour-Feuille, mais Matissan, il voit dans la zone Bisotan, il voit dans la zone Séminaire Matissan, et exactement, il est dans toute zone d'Ikini. Il n'y a pas de latrine? Pas de l'eau potable. Il a coupé un paquet de pieds bois dans la zone. Pieds bois qui étaient déjà là, il a pris un fait charbon. Et puis tout, il a planté un plantant dans la communauté. Bête, cabrite et bœuf, tout bête ça, il a mangé plante ça. Si nous remontons à l'année 1965, ça fait près de 50 ans de cela, il y a une grande évolution qui est faite au niveau du monde hôpital. Parce qu'en 1965, l'arrondissement de Port-au-Prince qui était couvert le monde hôpital et Carrefour, la population n'a pas dépassé plus de 800 000 habitants. En 50 ans, l'arrondissement de Port-au-Prince a gagné plus que 3 millions d'habitants. Et au début des années 80, je viens élever Carrefour au rang de commune qui, pour qu'on parle, gagne plus de 500 000 habitants. En 2009, mon hôpital a la donne environ de 152 105 familles avant le tremblement de terre. En 2012, deux ans après le tremblement de terre actuel, en 2010, Chirac allait le faire un recensement. Sous mon hôpital, sous demande du ministère environnement, nous jouons 246 000 familles, 246 000 habitants. Nous disons pas 4,5, nous parlons pas nombre de familles. Non. Ça compte venir permettre, mon homme de communauté encore, yo victime. Victime de qui ça? Les cas et les ont-ils appui, terre, ferme, Kaelan pas ferme, terre en tout, façon de construire Kaelan, qu'on y a vint permettre gain, éboulement, glissement de terrain, ou après même Mounsa ou qu'on perdit petit tout. La coupe accélérée des arbres au niveau du monde hôpital laisse le paysage dénudé du bas
de la ville, on regarde le monde de l'hôpital, eh bien, on regarde que c'est complètement dénudé, puisque les paysans, ils déboisent, ils coupent les arbres pour implanter leur maisonnette, et pour faire le feu, pour la cuisson, et pour d'autres activités. Donc, qui permet maintenant que toutes les eaux des pluies vont directement dans les villes et inondent les paysans. L'urbanisation donc anarchique sur les axes de drainage et sur les pentes de versant qui s'ensuit engendre l'imperméabilité. Les eaux ont du mal à s'infiltrer, la dégradation biophysique des sols et la divagation des eaux. Le 12 janvier 2010, il y a eu un tremblement de terre, côté que l'épicentre est localisé à 25 km de Port-au-Prince. Donc, pas de gros dégâts qui étaient faits. C'est parce que l'épicentre est encore loin de mon hôpital. Maintenant, si il y a eu un tremblement de terre qui est fait, et l'épicentre est beaucoup plus proche de Port-au-Prince, eh bien, il y a un pile caille qui est dans la zone de l'hôpital qui a tombé. Et caille Sahara est construit sur des pentes très fortes. Il y a une possibilité pour que caille Sahara soit en haut et descende en bas. Donc, capable de gagner des glissements de terrain, des chutes de blocs, etc. Donc, il y a une activité sismique dans la zone. Non? C'est une zone qui a secoué tout le temps. Pas oublier que faille a passé justement au niveau de la boule 12. Et c'est faille ça qui contribuait à bailler matériaux que l'on a utilisé pour faire construction. Donc, c'est tout qui est en danger. C'est tout qui est en danger parce que mon hôpital n'est pas fait pour ça. Fon prend des mesures urgentes. Il y a plein de clés. Comment pour nous sauver? Il faut déplacer 200 000 personnes. On ne pas demander seulement pour l'État déplacer. On a demandé pour les gens qui retirer la tête. Tout. C'est ça, nous-mêmes, les 32 chercheurs de SRAD, que nous avons demandé. Maintenant, si pas rien qui fait dans mon hôpital, eh bien, ça a mis en danger toute zone Carrefour et toute zone Port-au-Prince qui est capitale à Haïti. Les nombreux tremblements d'été qui sont passés, mon âme de la communauté Carrefour qui est plus victime. Kounia, il dit à mettre tête ensemble, à regrouper en plateforme et pas mettre au vin mettre l'état d'ailleurs, mais au vin rampe. Aider l'État, venir renforcer l'État pour capable avancer plus. Les peuples haïtiens sont un peuple qui remet vivre dans la communauté côté sorti. Si pour vous aller vers mon travail, vous avez un paquet de travail qui vous fait. Il faut que vous ayez une sensibilisation parce que le peuple n'a pas aucun problème, mais il a besoin de connaître où retirer là, côté où le mettre, comment je vais vivre, dans quelles conditions je vais vivre. Est-ce que la situation va changer ou bien est-ce que la plus mal que j'en ai? Il faut prendre des mesures urgentes. Il y a plein de clés. Comment pour nous sauver? Il faut déplacer 200 000 personnes. Quand vous avez une quantité de monde qui est en dehors de vous, nous te parler avec eux, nous sensibiliser, nous expliquer. Les gens dans le cordon, ce n'est pas bon pour eux. Ils ont tenu compte de ça, ils ont dit oui, ils ont senti le pas bon pour eux, ils ont déplacé eux-mêmes. Ils ont déplacé, ils ont quitté le cordon côté de l'OTIA, ils ont allé plus bas. Dans ce sens, mon yo, dans la communauté, ils ont dit qu'il n'y a pas aucun problème. Mais, il y a besoin d'une autre vie, une vie qui est plus ou moins que la vie à vivre là. Parce que vous sentez pas confortable. Mais vous ne pouvez pas courir les vies vite comme ça. Sans pas sensibiliser, il faut expliquer, il faut sensibiliser, il faut que vous d'accord. Pour leur dire que la situation de mon hôpital est si inacceptable, si touchante, qu'il faudrait
que mon hôpital soit inscrit dans leur agenda de coopération. En tant qu'intellectuel, chercheur de ce pays, m'étudier mon hôpital, la privée quand même. Retirer corps avant ça, t'en grave. Femme, retirer corps avant, on perd la vie, ou avant petit, on perd la vie. Cherchons l'autre côté. Retirer corps dans mon hôpital là. Malheur, la privée au jour quand même. S'il n'y a pas un programme de résilience urbaine rapidement mis sur pied pour sauver et mon hôpital et Port-au-Prince.